Étape 1, insertion de la capsule. Dévissez la cartouche noire pour la détacher de l'unité. Placez la capsule Coravine dans la cartouche. Vissez rapidement et fermement la cartouche sur l'unité et faites un demi-tour supplémentaire pour vous assurer que la fermeture est bien étanche. Faites glisser la pince vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Étape 2. Préparation. Insérez la bouteille dans un manchon Coravine. Remontez la fermeture éclair pour fermer le manchon. Appuyez sur les pinces. Placez-les autour du goulot de la bouteille de sorte que le guide de l'aiguille repose sur la capsule de la bouteille. Relâchez les pinces. Vérifiez que le guide de l'aiguille repose sur la capsule de la bouteille. Avant chaque utilisation, appuyez rapidement sur la gâchette pour purger l'excès d'air du système Coravine. Enfoncez entièrement la poignée avec la paume d'une main. Étape 3, service. Placez une main sur la bouteille et l'autre sur la poignée. Inclinez la bouteille de sorte que le bec verseur se trouve plus bas que le fond de la bouteille. Appuyez sur la gâchette et relâchez-la rapidement pour pressuriser la bouteille et verser du vin. Répétez cette opération lorsque le débit du vin ralentit ou s'arrête. Redressez la bouteille lorsque vous avez terminé. Étape 4, retrait. Saisissez la poignée tout en tenant la bouteille. Tirez fermement la poignée vers le haut jusqu'à atteindre la position maximale. Appuyez sur les pinces et retirez l'unité de la bouteille. Retirez la bouteille du manchon Coravine. Placez l'unité sur son support. Purgez le vin restant du système en appuyant brièvement sur la gâchette pour libérer une petite quantité de gaz. Pour des conseils supplémentaires, consultez le site coravine.com.